beaucoup de chance pour le champion olympique Hansel Parchment. En effet, l'athlète jamaïcain qui a remporté la médaille d'or aux 110 mètres haies à Tokyo a été aidé par une bénévole japonaise. Car le jour des demi-finales, le sportif est accidentellement monté dans le mauvais bus. Il est arrivé à un centre aquatique et non à la piste d'athlétisme où il était supposé être. Lorsque Hansel Parchment s'est rendu compte de son accident, il s'est immédiatement adressé au fonctionnaire qui lui suggère de prendre le bus de retour ou d'en prendre un autre. Impossible pour l'athlète d'opter pour cette proposition parce qu'il serait certainement arrivé en retard pour l'échauffement. C'est ainsi qu'Arigato Gazaimasu, une bénévole, lui vient en secours avec de l'argent afin qu'il puisse prendre un taxi et arriver à temps pour sa compétition. Cette bonne samaritaine a donné la chance à l'athlète jamaïcain de se qualifier et aussi remporter la médaille d'or de la compétition. Alors, le lendemain de la finale, Parchment reprit le même bus vers le centre aquatique, volontairement cette fois-ci, dans l'espoir de retrouver son sauveur pour la remercier et aussi rembourser le prêt. Lors du trajet, l'athlète s'est filmé pour expliquer le cours de son histoire. That's just awesome. So, I'm gonna find her this morning and show her my gold medal that I was able to get because she helped. So, I think that's a nice gesture. Arrivé au lieu, la volontaire était bel et bien présente lorsqu'il est descendu du bus. Il lui a montré sa médaille d'or ainsi que l'argent qui lui avait servi de transport. Et enfin, il a offert à la jeune dame un t-shirt de la Jamaïque.